invincible. Sur le chemin de ma destinée, mes amis sont à mes côtés. Dès l'orage de fin nous anime, que nous réussirons cette épreuve ultime. Sur la terre, en mer ou dans les airs, je triompherai de mes pires adversaires. Oh, 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 gagner ce maraudit. Et yo tout le monde, c'est Things43, on se retrouve donc aujourd'hui donc pour le 11ème épisode de Retro Game. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça a super à l'idée de vous faire cette vidéo parce qu'on se retrouve sur Digimon World qui est un jeu PS1 sorti en 2001 il me semble. Et donc on va découvrir ce jeu ensemble. Oh là 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 là, déjà ça fait bizarre de voir ça. Mon dieu. Allez, on va prendre ça, vous y allez. Ce jeu là, franchement, j'ai joué, enfin, déjà il est sorti, j'avais 6 ans. Je suis Digimon, parle-moi de toi. As-tu un Digivice? Ouais, j'ai un Digivice moi. Je vois, question suivante, préfères-tu le jour ou la nuit? Ah, le jour. D'accord. Comment t'appelles-tu? Eh ben, nous, on va s'appeler. Je galère avec le. Avec les touches. En tout cas, j'espère que ça sera pas trop fort et que je suis pas en train de crier. J'ai galère pour marquer mon nom quand même. Allez. C'est chiant. Voilà, on va juste marquer Things parce que c'est bien marqué. Oui, c'est bien ça, le nom de ton Digimon. Je sais pas, mais on va dire. On va pas se casser la tête, on va l'appeler Rex. J'aime bien ce nom Rex. R-E. Oh, c'est galère. Voilà, on va l'appeler Rex. Voilà. Ok, on y est. Cette fois, je pense qu'on y est. Waouh. La petite cinématique de début. Ok. Ça c'est notre perso. Est-ce qu'on peut faire passer? Ouais, on peut faire passer. Donc ça c'est un plus. Parce que je vais garder le plus de temps possible pour la vidéo. Capital. Ok. L'arrivée, ça a marché. C'est un humain, Gigi, comme tu l'avais prédit. Tu te réveilles. Que où suis-je? Bienvenue dans le Digimonde. Quoi? Ah là. Mais qui êtes-vous? Nous sommes les Digimon. Les Digi. Quoi? Comment ça, tu ne connais pas les Digimon? Je t'en rêvais. Mais non, tu ne rêves pas. Mais toi, tu es Tokomon. Ce rêve a l'air si réel. Non, Fink, ce n'est pas un rêve, mais ce n'est pas non plus ta réalité. Je ne comprends rien. Et toi? D'abord, qui es-tu, toi? Je m'appelle Digimon. C'est curieux, je ne connais aucun Digimon de ce. C'est le Digimonde, il existe bien plus de Digimon que tu ne crois. Le Digimonde. Oui, ce n'est ni le monde réel ni un rêve, c'est notre monde. C'est vrai, c'est trop réel pour n'être qu'un rêve. Retourne-toi, tu comprendras mieux. Ok, comment? Ça me revient, le Digivice m'a aspiré. Exactement. Pourquoi suis-je ici? Mais chez moi, j'ai tout expliqué. Ok. Wow, les vieux graphismes, ça fait vraiment bizarre. Je t'ai fait venir ici pour que tu nous aides. Vous êtes en danger. Ici, c'est la capitale de l'île des fichiers binaires. Trop classe de nom. Ce village, une cap.
existait autrefois beaucoup de Digimon vivaient ici, c'était une grande ville. Mais ils se sont découragés et sont presque tous partis. Découragés? Comment ça? Personne ne sait pourquoi, mais un jour les Digimon ont oublié comment parler. Certains peuvent parler, mais aucun ne se rappelle qu'ils ont un jour vécu ici. C'est impossible, on ne peut pas tout oublier. Si, malheureusement, et la situation ne fait qu'empirer. Mais pourquoi m'amener ici? J'ai un bon dresseur Digimon, n'est-ce pas? Le meilleur de tous. Prétentieux. C'est pour ça, et tu sais t'exprimer en Digimon. Comment ça, je parle pourtant en français? Pour nous, tu parles Digimon. C'est vrai. Dans notre monde, ton amour des Digimon et ton talent te donnent certains pouvoirs. Super. Voilà pourquoi je t'ai choisi. Je voudrais que tu rassembles tous les Digimon. Vous pouvez compter sur moi. Génial. Ouf, tu as notre espoir. Par où dois-je commencer? Emmène Rex avec toi et explore l'île. Trouve la cause du problème et t'aide à convaincre tous les Digimon de revenir. Ok, en avant Rex. C'est parti. Attends, c'est pas fini. Oh, trop tard, je suis parti. Wow. Ça fait vraiment bizarre. Trop classe l'entraînement.
Ça, à mon avis, pour entraîner la défense. Allez, on le fait encore deux fois. Une fois, voilà. Hop. Ok. Ah, t'as envie de poser une. Il a fait caca. On peut pas nettoyer? Ah, t'as faim, mon petit. On va lui donner un gigot et puis on fera un dernier entraînement. C'est tellement classe ce jeu. Allez, on va finir la vidéo par une course. Les amis, c'est là qu'on va s'arrêter en tout cas. Ah, attendez, on va finir là. On va finir là. Donc, comme je disais, c'est là qu'on va s'arrêter. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et donc, on se retrouve pour une prochaine.